Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire les mesures des distances de migration sur un gel d'électrophorèse avec Imagi. Alors, Imagi, c'est un petit logiciel. Quand on l'ouvre, on a juste cette barre d'outils ici. Donc, pour mesurer les distances de migration sur le gel, on va d'abord ouvrir l'image du gel, File Open, ici. Donc, je prends le gel que j'ai en photo ici. Voilà ce gel. Et donc, on va faire les mesures là-dessus. Première étape, il va falloir donner d'abord une échelle à ce gel. Pour cela, je prends l'outil ici, trait, et je vais donner donc la distance ici, la mesure de ce trait comme échelle. Alors ici, je vais le faire en relatif, c'est-à-dire donc set scale pour l'échelle. Je vais dire cette distance est égale à 100. Ça peut être 100%, on pourrait mettre des unités ici. Mais si on a la distance en centimètres ou en millimètres, on peut la mettre exactement. 100, c'est parfait. OK. Et maintenant, je vais faire mes mesures. Alors pour cela, je vais faire la distance entre le départ de la migration et la première bande ici, par exemple. Et je fais analyse, mesure. Il apparaît un tableau avec différentes indications. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la longueur ici, length. Donc ça veut dire que si cette distance ici fait 100, celle-ci fait 14,965. Ensuite, pour la seconde mesure, je prends mon trait, je le rallonge jusqu'à la deuxième bande ici. Et toujours pareil, analyse, mesure. Et donc ici, j'ai 16,058. Ainsi de suite. Analyse, analyse, mesure. Ici. Je peux même le faire avec le clavier. Donc je fais ma distance ici et je fais CTRL M et ça rajoute directement la distance ici, ainsi de suite sur l'ensemble des bandes que je veux mesurer. CTRL M ici. Quand j'aurai terminé, il faudrait que je fasse File, Save ici. Donc on me demande d'enregistrer un fichier en CSV. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais le mettre directement en Excel. Je change l'extension. Et je mets XLS et je fais enregistrer. Donc une fois enregistré, je vais ouvrir ce fichier. Voilà, résultat. J'ouvre le fichier résultat que j'ai obtenu. L'extension ne lui plaît pas, donc je fais oui. Ici, ça ouvre quand même. Donc voilà l'ensemble des mesures que j'ai obtenues tout à l'heure. Je vais par exemple éliminer ce qui ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que les longueurs, les distances de migration de chaque bande. Donc là, je vais supprimer les colonnes et j'ai donc ça. Alors attention, les valeurs sont écrites vers la gauche, ça veut dire que Excel a reconnu que c'était des mots, alors que moi, je veux des valeurs, des chiffres. Donc c'est parce qu'il y a un point et sur l'Excel type français, il faudrait des virgules. Donc c'est ce qu'on va faire, on va changer tous les points en virgule. Pour cela, on va faire CTRL H. CTRL H, donc on a recherché remplacer. On va lui dire de remplacer les points par des virgules ici. Remplacer tout. Voilà, il a fait mes 5 valeurs directement. Fermer ici. Et on s'aperçoit donc que l'ensemble des valeurs est passé sur la droite de la cellule. Et donc ici, c'est bien des chiffres. Et je pourrais faire l'exploitation des longueurs que j'ai obtenues.